Le prince Harry et Meghan Markle ont pris une décision radicale en janvier 2020. Ils s'étaient sentis humiliés par une photo. Ils ne voulaient plus subir les attaques dont ils estimaient être la cible. En janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont fait trembler la monarchie britannique. Le couple annonçait vouloir prendre ses distances avec ses principaux rôles au sein de la famille royale, disant qu'il avait passé de nombreux mois à réfléchir à cette décision. Ils avaient expliqué qu'ils prévoyaient de se tailler un nouveau rôle progressif au sein de elle, institution, tout en devenant financièrement indépendant. 3 ans plus tard, si est-il chose faite. Ils vivent à Los Angeles avec leurs 2 enfants, Archie et Lilibet. Selon les informations du Mirror, relayées le 1er janvier 2023, c'est une photo qui aurait accéléré la décision du couple. S'il ne sentait plus à sa place au palais, il a été vexé par une photo sur laquelle la reine Elisabeth II avait pris la pose avec son fils aîné, le prince Charles devenu Charles III, le prince William et le prince George. La photo avait été diffusée pour fêter le passage à la nouvelle année en 2020. Le cliché avait été pris dans la salle du trône au palais de Buckingham. Ainsi, les Britanniques avaient sous leurs yeux l'avenir de la monarchie britannique. Le prince Harry et Meghan Markle se sont sentis persécutés. Le duc et la duchesse de Sussex auraient très mal pris cette photo et l'auraient une nouvelle fois pris comme une persécution. Le couple royal soupçonnait que toute l'institution conspirait contre eux. Comme ils l'ont vu, l'épreuve était tout autour d'eux. Le code tacite était simple, l'avenir de la monarchie était assuré, avec ou sans Meghan et Harry, a ainsi écrit Andrew Morton dans son livre Meghan, à Hollywood Princess. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont estimé qu'ils n'avaient plus à subir les attaques dont ils estimaient être la cible et qu'il était temps, pour eux, de passer à autre chose.